après de nombreux rôles comme acteur, animateur, comme vous l'avez connu. Aujourd'hui, bah, vous revenez avec un rôle, avec une série qui s'appelle La Cainou. Donc, on va revenir dessus. Cette série, La Cainou, vous êtes aussi producteur. Donc, c'est une série, donc, on va dire, une comédie. Une comédie humoristique, familiale, qui parle vraiment d'immigration, on va dire des enjeux de De la deuxième génération, en tout cas. C'est, voilà, c'est exactement. Ça, ouais. Et cette série, en fait, c'est une série de 10 épisodes, 22 minutes, qui vient de sortir. J'ai envie de dire, ma première question, un petit peu, c'est d'où est venue l'idée? D'où est venue l'idée de sortir cette série? Ça fait longtemps. En fait, ça fait au moins une vingtaine d'années que j'avais ça en tête. Une vingtaine d'années? Oui, oui, au moins. Avec Angelo Cadet, chaque fois qu'on se croisait dans le métier, chaque fois qu'on parlait, qu'on avait ces discussions-là, on se disait, il y a un manque. Il y a un manque de... Il manque de comédie, de légèreté, d'avoir du black joy, black celebration à la télé. C'est-à-dire que même il y a 20 ans, le peu de fois où il y a la diversité, où nos communautés noires étaient représentées, elles étaient toujours dans leur drame, puis dans leur souffrance, puis dans leur misère. Mm-hmm. Je trouvais ça dur, je trouvais ça lourd, puis je trouvais ça dangereux au niveau de l'inconscient collectif, ce que ça sème comme graine dans la tête des gens. Alors oui, ça fait vraiment 20, même je pourrais même aller étirer puis dire 25 ans au moins, que ça me ruminait dans la tête qu'il va falloir rire à un moment donné avec les communautés noires, il va falloir s'amuser, il va falloir être léger, faire un show. Puis à un moment donné, l'idée d'une famille, en parlant avec, justement avec Angelo beaucoup aussi, on se disait, on parlait de certains personnages dans nos familles, de certains, tel cousin, telle tante qu'on a, puis, ça, puis on se disait, ah mon Dieu, il y a tellement des beaux personnages à faire avec une famille que je pense que ce serait ça la formule. Donc juste pour revenir un petit peu, c'est vraiment comme vous avez dit, c'est l'histoire d'un couple vraiment qui est un petit peu pris avec des parents qui sont immigrants d'Haïti, et puis leurs propres enfants qui sont nés au Québec, trois enfants qui sont nés au Québec, et ils ont un petit peu les défis liés à, j'ai envie de dire, des défis culturels, parce que bah, évidemment, et de génération. Exactement. Okay. Et c'est vous interprétez donc le rôle qui est de Henri, donc le couple avec Myrlande Prosper. Oui. Ok, mais moi je me dis, là je reviens, vous avez dit, ça a pris, l'idée, elle a mûri depuis près de 20 ans. Pourquoi ça a pris autant de temps peut-être que ça aboutisse, que ça naisse? Est-ce que en partant, vous pensiez peut-être, des fois on a des idées qui n'aboutissent pas, on pense tous les jours à des choses, est-ce qu'à l'époque c'était pas le moment? Ouais, je pense que j'aurais pas pu le faire avant. Quand je vois maintenant la charge de travail que ça a représenté, là, j'aurais pas eu la maturité, je pense, de faire ça avant. Dans mon cas, la réponse est vraiment, j'étais rendu là au moment où je l'ai fait, à avoir cette connaissance aussi de l'industrie pour pouvoir... À 20 ans, on a des idées comme ça, on avait ces idées-là, on lançait ça en l'air, mais après ça, dans l'action, tu vas cogner à quelle porte, tu fais quoi, c'est quoi écrire, je savais rien en fait, pour vrai, là, pour être très honnête, j'aurais pas su comment m'y prendre à l'époque. J'avais des idées, mais ça a repris tout ce temps-là, c'est dans ma quarantaine que je me sentais capable de concrétiser une telle idée. C'est pour ça que ça s'est fait là. Et j'ai envie de dire, c'est que peut-être au début, quand vous avez peut-être commencé à vous dire, OK, là, ça y est, on part pour le réaliser, cette idée, on va vraiment faire que ça aboutisse. Quand vous avez peut-être parlé à vos proches, à vos amis, vos collègues, à votre famille, de l'idée, du principe, comment ils ont réagi un petit peu par rapport à ça? En fait, moi, j'ai un petit secret, puis qui est même un conseil pour les gens qui sont en création. Le moins tu en parles, le plus tu as des chances de le faire. Ah oui? Donc, oui, parce que moi, je pense que... En parler, c'est déjà évacuer ou gaspiller déjà la moitié de l'énergie mais de l'énergie dans le sens de motivation. La motivation de faire un projet, là, quand on en parle, on se satisfait de ça un peu. Okay. C'est comme satisfaisant d'en parler. En tout cas, dans mon cas, j'ai appris à faire les choses au lieu d'en parler. Puis dans le cas de La Cainou, ça a été ça. Je pense que ça a été long avant que je l'annonce même à... Je pense que j'ai attendu qu'on soit en développement officiellement avec le diffuseur, je pense. Pour en parler aux proches. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'était un truc, j'étais avec Catherine Angelo, c'était notre truc à trois, puis on travaillait ça très... avec le contrat de développement du diffuseur, ça a été long avant que j'en parle, puis avant qu'on en parle autour. Mais c'est très personnel. Dans mon cas, comme je te dis, pour moi, il y a trop d'énergie créatrice qui se perd quand j'en parle. Je manque de motivation. Donc finalement, vous étiez entouré comme dans une petite bulle pour écrire le concept, le scénario. Oui. Puis vous êtes resté vraiment concentré là-dessus. Comme d'un côté, il y a moins peut-être de distractions ou de... Ouais, je sais pas, mais il y a aussi des trucs légaux aussi là-dedans aussi, là, dans le sens quand le diffuseur est en développement avec toi, mais ça veut pas dire que l'émission va aller en onde, mais ils sont en développement. Puis s'ils veulent pas se faire voler l'idée aussi, s'ils veulent pas que sur une autre chaîne, il y ait une même émission qui est en développement.
Donc, on tient ça mort, ça, c'est une partie du réflexe. Mais moi, ça m'allait très bien parce que, pour vrai, c'est dans ma nature. OK. Donc, la Kainou, ça veut dire chez nous, c'est un créole haïtien, chez nous ou notre maison. Notre maison, ouais. Moi, je me demandais un petit peu, parce que vous avez dit, c'est des histoires inspirées un peu de vos proches, mais j'imagine aussi un peu de votre propre vécu à vous, mm-hmm. ou de votre propre famille. Et maintenant, c'est en onde. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent et qui se disent, ah, est-ce que là, tu parlais pas un petit peu de moi, c'est inspiré de moi? Je suis chanceux de mon côté parce que. Ben, je suis chanceux. C'est-à-dire que deux des personnages qui ont vraiment le plus de lien avec mes proches, ma famille, c'est papy qui est très inspiré de mon père, puis mamie qui a beaucoup de ma grand-mère paternelle, justement. Mais dans les deux cas, ils sont décédés, donc j'ai pas ce retour-là de leur part. Mais il y a d'autres gens qui ne savent pas que c'est inspiré d'eux. Donc je garde ça mort, je tiens ça mort aussi. Vous gardez ça comme... vous n'allez pas comme leur dire, tu sais... Non. Non, parce que c'est un peu voyeur, tu sais, c'est un peu comme je t'ai observé, je t'ai scanné, j'ai vu des choses, puis je m'en sers en comédie, c'est un peu, je sais pas comment les gens prendraient ça, donc si les gens se reconnaissent, tant mieux, mais non, je suis pas allé dire à des gens, je me suis inspiré de toi, non. OK. C'est quoi qui... Est-ce que on peut dire que c'est un peu, comme on dit en anglais, a full circle moment aujourd'hui, d'être producteur de cette série? Est-ce que c'est comme un moment, j'ai envie de dire presque un peu, vraiment marquant de votre carrière? Est-ce que c'est quelque chose comme, ça fait 20 ans que vous y pensez, aujourd'hui on y est, ça y est, ça aboutit, c'est sur les ondes. Est-ce que c'est vraiment une fierté pour vous? Ou... Oui, bien sûr, c'est sûr. C'était un gros saut que j'ai fait. C'était quelque chose que je pensais qu'il devait se faire, devenir producteur pour... tenir les rênes un peu plus des changements que je veux voir apporter à l'écran et derrière la caméra aussi. Je pense que c'est le seul poste à peu près où tu as le pouvoir d'opérer vraiment ces changements-là. Donc, c'est un gros saut que je ne regrette pas, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'apprends. C'est un métier, mais c'est un apprentissage. C'est le sentiment de repartir à la case de départ, mais j'aime ça, j'aime beaucoup. Puis surtout que je ne me suis pas limité à la Kainou. Il y a d'autres projets autour qui sont en développement et qui vont se faire. Puis donc, je suis très heureux de ça. Et si on parle de la Kainou, peut-être est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être, je ne sais pas si c'est, on peut dire, un moment ou peut-être une situation, peut-être, on va dire, derrière la caméra ou soit devant la caméra, où vraiment c'est comme une fierté ou c'est pas un moment que, tu sais, je vais garder ce moment ou cette rencontre même, peut-être à travers cette... Oui, ben, il y en a plusieurs, en fait. Je pense qu'à chaque étape... C'était tellement nouveau. À chaque étape, de se faire dire oui par un diffuseur, ça a été un moment, je me souviens... Vous ne pensiez pas que quelqu'un, à ce moment-là, peut-être était prêt pour une série? Ben, je connaissais assez l'industrie, je connais assez de créateurs autour pour savoir que des pitchs, tu peux en faire beaucoup avant d'avoir un oui. Là. Je veux dire, non, j'avais pas beaucoup d'attentes. Je m'étais protégé. Vous ne pensiez pas confiant, vraiment, comme c'est bon, c'est sûr, ça va passer? Non, c'était un pitch okay. Je me disais, c'est un pitch, c'est ça l'idée. C'est un peu comme pour les acteurs, les auditions. Tu en décroches une sur combien? C'est-à-dire, bon... J'étais très réaliste. Ça a été une étape. Il y a vraiment plusieurs étapes. De voir la première journée de tournage, de voir tout un plateau réuni, tout ce que ça représente, une équipe, l'équipement, les roulottes. Là. On a réussi ça. C'était très magique pour moi. Après ça, au lancement, les premiers épisodes montés aussi, quand j'observais des premiers montages, je disais, mon Dieu, c'est concret, ça existe. Il y a vraiment plusieurs étapes où la fierté peut... Elle est là, puis tant mieux, ça nous permet de vaguer longtemps là-dessus. Parfait. C'est quand même, sur ce projet, sur la Kainou, c'est un projet où vous avez tenu, j'aimerais dire, plusieurs casquettes. Donc producteur, acteur, vous avez dit aussi, donc scénariste. Comment on fait pour gérer tous ces casquettes en même temps, dans un même projet? On fait de notre mieux. Et comment vous en sortez aujourd'hui? C'est toute une expérience. Écoute, dans le même meeting, des fois, tu changes de casquette pour juste le temps d'une réponse. Là, tu mets ton chapeau de producteur. Là, c'est bon, je peux te remettre ton chapeau. Écoute, c'est vraiment d'essayer de marier tout ça. Mais c'est un avantage aussi, c'est-à-dire que j'étais vraiment au centre de tout. Je veux dire, j'étais en CC sur tous les courriels. Tu vois tout passer. Okay. Tu as ton nez vraiment dans tout. Ça a un avantage. En même temps, tu peux prendre le blâme sur tout aussi. C'est ça aussi. On t'appelle aussi sur tout, on te responsabilise sur tout. Oui, mais je veux dire, c'était un choix. Là. Je ne suis pas une victime. Donc, je l'ai choisi et je suis bien content du résultat. Mais c'est vrai qu'il y a des moments... Mais tu sais, par exemple, j'avais dit, mettons, sur le plateau, j'avais dit à Ricardo, le réalisateur, j'avais fait, là, quand je vais tourner comme acteur, puis tu vas me diriger, là, je ne suis qu'acteur. Là, je joue dans les textes, change les textes. Je vais pas mettre mon chapeau de scénariste pour défendre une réplique. Puis, tu sais, bref. Donc, ce que j'allais dire, c'est que, est-ce que,
peut-être pour un futur projet, là, vous reprendriez encore toutes ces casquettes ou vous vous direz non, maintenant je vais plutôt me concentrer sur un point ou deux points ou... C'est intéressant. Je pense à parler encore là, parce que je pense que je vais après la CAGNU. J'aurai d'autres idées, j'aurai envie de les écrire, j'aurai envie de les mener à terme. Donc probablement que peut-être que je m'exclurais comme acteur d'ailleurs. Ça me ferait un chapeau de moins. Mais je peux dire qu'en ce moment, je travaille sur une autre série sur laquelle je ne suis que producteur. Je n'ai ni écrit. Et ni je ne vais pas jouer dedans. Et ça me plaît beaucoup aussi d'avoir que ce chapeau-là, espèce d'œil extérieur, général, qui est juste pas impliqué dans chacun des départements de création. Là. Tu sais, ça fait du bien aussi. Et cette nouvelle série, est-ce que c'est... Enfin, Je ne peux pas. Pas encore. Vous allez en entendre parler bien assez vite. Parfait. Est-ce que d'ailleurs, justement, pour revenir à La Cainou, c'était une première série, comme je disais, une première saison. Est-ce qu'on peut déjà attendre une deuxième saison? Est-ce que c'est elle a été annoncée. Elle a été annoncée par Radio-Canada. Donc, oui, il y aura une saison 2 de La Cainou. Je suis en pleine écriture en ce moment. OK, parfait. Alors, comment vous avez sorti les premiers épisodes? Il y a eu un lancement, plusieurs lancements. On a eu une tournée médiatique. On a vu aussi un lancement, j'allais dire, à la Maison d'Haïti. Mm-hmm. Donc, évidemment, la Maison d'Haïti, c'est quand même un symbole fort, évidemment, à Montréal, au Québec, pour la communauté haïtienne. Mm-hmm. Comment vous avez vu les premières réactions, en fait, de la communauté haïtienne face à cette série qui parle, en fait, des enjeux de la communauté? La journée du lancement, la soirée du lancement à la Maison d'Haïti, ça a été vraiment un moment spécial parce que pour la première fois, on avait le pouls des gens, puis de plusieurs générations, d'ailleurs. C'était très, très touchant. Les rires étaient forts. Les gens étaient... En fait, il y avait un sentiment de fierté et les gens étaient reconnaissants. C'était beaucoup plus, les gens venaient nous dire merci. Merci de l'avoir fait, merci d'avoir tenu le flambeau jusqu'au bout, de ne pas avoir abandonné, d'avoir abouti ce projet-là. T'sais, les gens réalisaient que, oh my God, on va avoir à Radio-Canada une série avec une famille. Tous les personnages principaux, c'est une famille noire. C'est comme, les gens le réalisaient. Il y avait quelque chose de très émotif, c'était très beau, en fait. C'était un très beau moment. Vous avez parlé tout à l'heure, ou un peu plus tôt, que c'était vraiment important pour vous d'avoir une série un peu plus qui ne parlait pas forcément des drames, des enjeux qu'on entend tout le temps, j'ai envie de dire, des problèmes, en matière des problématiques de la communauté. Est-ce que là, vous pensez que vraiment comme... Parce que la série parle aussi de certains enjeux de la communauté, de la santé mentale, on a parlé, ça parle aussi de certains enjeux de la communauté LGBTQ+. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça va aider un petit peu à ouvrir un peu les mentalités? Ou est-ce que justement, la communauté haïtienne se dit, ouh là là, on n'est pas prêt encore, et là, ça y est... C'est intéressant, parce que justement, oui, c'était un choix pour moi d'aborder certains enjeux et de prendre des postures où peut-être que j'en essaie de faire avancer un peu les mentalités. Tu sais, il y a des postures, entre autres, par rapport au coming out du personnage de Judeline dans la série. La posture du grand-père, il y a plein de gens de la communauté qui font c'est impossible qu'un grand-père réagisse comme ça. Je fais, of course, je fais de la télé, je fais pas un documentaire, je fais de la fiction. Okay. Et j'ai envie de projeter une réaction qui est possible. J'ai envie de montrer, ne serait-ce que pour le... Parce qu'il y en a eu un, au moins dans l'histoire des gens, des Haïtiens. Il y a au moins une personne qui a bien réagi, un grand-parent qui a bien réagi et qui a fait « Je suis content pour toi ». Alors, juste pour honorer cette personne-là, je trouve ça beau de mettre ça à l'écran, puis je trouve ça beau de projeter ce qui est faisable aussi, puis vers quoi on peut marcher aussi. Est-ce que dans la saison 2, on va aborder encore d'autres sujets comme ça, des enjeux de la communauté? Est-ce qu'on va aussi aborder certains drames? Parce que, certes, on nous a souvent dépeints avec des problématiques, mais il y en a certains qui sont là et puis ils sont importants peut-être d'en parler ou d'aborder certains sujets. Mais en même temps, on est dans une comédie, donc c'est toujours un enjeu. Je veux dire, ne serait-ce que dans la saison 1, l'épisode sur le profilage racial, l'arrestation de Jude, c'est tout un défi. Là. Les questions qu'il fallait se poser pour être sûr de rester dans le ton de la comédie, comment on aborde ça. Donc, je pense qu'il y a des limites. Ben, est-ce qu'il y a des limites? En tout cas, je ne ferais pas exprès de me mettre un bâton dans les roues et d'essayer d'aborder des sujets vraiment deep. Je veux dire, j'ai un ton de série à respecter avant tout. On est dans la légèreté et la comédie. Mais il y a des enjeux. J'aime beaucoup. Ce qui est payant en comédie, c'est les enjeux, les tabous. Les choses qui sont un peu tabous dans nos communautés. En effet. Ça, c'est le fun de les faire ressortir et de faire réagir tous tes personnages, bien sûr. Parfait. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, merci. Merci de m'avoir reçu, vraiment.